Je m'appelle Jean-Kevin. Et je suis dans la merde. Au départ, je voulais juste faire une vidéo, putain. Et c'est parti en couille. Ils sont pas loin, je le sens. Bref, au cas où tu vois cette vidéo, abonne-toi, enfoiré. Salut Internet, salut Squeezie. Salut. Oh mon dieu, mais Squeezie, mais qu'est-ce que tu fous? On voit ta bite. Lol, non mais c'est pour attirer des abonnés, les gamers raffolent de mon corps, t'as vu? Mort de rire, t'es trop toi. Oh mon dieu, mais on voit ta bite aussi. Mais non, mais c'est parce que moi je suis tellement vendu que je mets plus de froc, c'est plus pratique, tu vois. Mort de rire, t'es trop toi. Tape là, mon pote. En tout cas, merci aux millions d'abonnés, ça fait beaucoup de pognon, d'amour, beaucoup d'amour. Bon, aujourd'hui, on va tester le nouveau Assassin's Creed. Et je peux vous dire qu'il est vraiment excellent. Zéro bug, il tourne à 60 FPS, des assassinats super réalistes et un multi juste exceptionnel. Les gars, eh, vous avez vu la dernière vidéo sur Assassin's Creed Eternity? Il a l'air dément, le jeu. Ouais, je l'ai vu. Oh, il a l'air terrible, putain. Je suis carrément hypé par cet épisode. Ouais, moi, perso, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire avec les assassins. C'est du réchauffé. Arrête tes conneries, Sisla. T'as des pyramides, t'as un silencieux et les graphiques, ils sont mortels. Oh, comment j'aimerais bien l'avoir en avance comme les youtubeurs connus, purée. Moi, en tout cas, je vais faire une chaîne YouTube qui va cartonner pareil que. Comme ça, j'aurai les DLC à l'avance et t'auras la rage la plus profonde de toute ta life de rouquin. Ta gueule, gros lard. Moi aussi, je vais faire une chaîne de gaming et j'aurai des millions d'abonnés, des millions de vues. Comme ça, je t'offrai les jeux gratos bien avant la date de sortie et tu vas ramper devant moi juste pour me regarder jouer FDP. Ok, mec. On va voir qui c'est qui fait le plus de vues. Tu vas te taper la route sur tout l'internet avec ta chaîne de merde, connard. Tu vas voir, je vais faire tellement de vues que tu vas vouloir me demander ma recette. Sauf que tu pourras aller te brosser pour que je te la donne, le débile. Oh, il est fait. Faisons l'amour, ici, maintenant, dans cette clairière. Ah non, Gérald, il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Ah non, on fera ça plus tard, s'il te plaît, j'ai parcouru tout Vélène, ça fait 50 quêtes que je torche, je viens de me taper un griffon royal, je mérite bien un petit câlin, Yen, merde, s'il te plaît. Pas question, il nous faut retrouver la source d'énergie qui m'empêche de lever la malédiction. Oh putain, la relou. Qu'est-ce que t'as dit? Y a des loups, restons sur nos gardes. Ouais... Bon, et comment je la trouve, cette source d'énergie, moi? C'est simple, tu prends ce bâton, tu le tiens fermement, tu fais un mouvement de haut en bas, et plus il queen, plus tu es proche. Ça y est, j'ai la trick. Qu'est-ce que t'as dit? Coca-trix. Bonsoir, je suis Gicastar. Aujourd'hui, on va jouer à The Witcher 3. C'est parti. N'oublie pas de liker et de désactiver Adblock pour que je puisse manger à ma faim. Abonne-toi, enfoiré. À la fin de Halo, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant le jeu. Pardon. Oh, bonjour et bienvenue chez le Hard Gamer. Abonne-toi, enfoiré. Salut, je suis le fossoyeur de jeu et voici mon ami Lapel. Alors, Lapel, es-tu contente de lancer cette nouvelle chaîne YouTube? Putain, mais ça fait mal! Ça t'apprendra à me faire faire n'importe quoi, connard de France! Ouais, bah tu me remets une alors! Ouais, non, arrête! Arrête! Oh, putain! Alors les gars, ça donne quoi vos chaînes YouTube? Ah, de la merde, putain, j'ai pas dépassé les 3 vues en 2 jours! Ouais, moi pareil, j'ai eu un vue et un dislike, c'est ma sœur qui m'a dislike, la conne! Ah, mettez-vous ensemble comme les chers players, c'est sympa ce qu'ils font! Eh, le binôme, ça a du bon, franchement! Quoi? Faire des vidéos de gaming avec ce Yankee pro Microsoft qui a acheté un magnétoscope où t'as un jeu tous les 2 ans? Plutôt crever. Ah, parce qu'avec ta PS4, tu te crois supérieur peut-être, le pro Sony? T'as des remakes et des remasterings sur ta console de merde. T'es un gros pigeon croisé avec un mouton, c'est tout. Ah, répète ça pour voir, connard. Tu vas t'en prendre une, le X-Pouze. Je vais downgrader ta face de bolosse, moi. Vas-y, ramène-toi, Jean Sony. Tu vas voir la vie en 15 FPS quand je t'aurai foutu mon poing dans la gueule. Enfoiré. Putain, vous battez pas les gars, ça sert à rien. PC Master Race les gars. Des vues, faut que
je fasse des vues. Comment faire des vues, putain? Tu sais, Jason, l'argent n'achète pas tout, Jason. Hein? Oh, que si l'argent peut tout acheter, Samantha. On peut s'acheter des procès, des élections, hein? Des hommes politiques et même des... Vues sur YouTube? Yes! Maman, ma maman chérie que j'aime, tu peux me prêter ta carte bleue, s'il te plaît? Tiens, tu connais le code? Kama speaking, yo bitch. Salut Kama, c'est Chica. J'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Ouais, vas-y, dis toujours. Tu connaîtrais pas un mec à qui on peut acheter des vues sur YouTube par hasard? Il paraît que ça se fait dans certains milieux. Je suis prêt à y mettre le prix. Bah disons que je connais un mec qui connaît un mec, quoi. Par contre, ça va te coûter bonbon, ma gueule, ouais. Pas de problème, je t'apporte les thunes et tu gères ça pour moi, ok? Ok, je vais gérer ça pour toi, man. Par contre, je prends une commission de 20%. Hein. Quoi? Ok, vendu. Et pas un mot à qui que ce soit, ok? Cette conversation n'a jamais eu lieu, man. Bon, voilà, puisque ma chaîne ne marche pas très bien, j'ai décidé, avant de parler de jeux vidéo, de m'auto-taser. Lâchez vos coms et abonnez-vous. Putain de merde, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai! Il t'a pris toutes les thunes et t'as même pas acheté de vue sur YouTube! En fait, je suis tombé dans un putain de traquenard et il m'a bien pété la gueule en plus. Ah, putain, j'y crois pas! C'est quoi son nom? Il habite où, ce fils de pute? Bah, son nom, c'est Tuco et son QG, c'est au 66 rue d'Albuquerque, dans une cantina. Fais gaffe, man, c'est chaud là-bas. Putain de bordel de merde! Réfléchis. Pourtant, j'arrête pas de répéter, quand tu as des gaz, tu vas dehors, blablabla. Ah, yes! C'est toi, Tuco? Bordel de merde, autiste! Je veux parler à Tuco et je partirai pas avant de l'avoir vu! Jean-Kevin! Ok, Jean-Kevin, alors comme ça tu voulais me voir? Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir histoire de me dire ce que tu veux? Je viens récupérer les $500 que t'as volé à mon pote! Hein? Merde, il est fou! Et je veux $200 de plus en dédommagement pour l'avoir envoyé à l'hosto! Ta gueule, Pedro! Je me rappelle de cette petite pute. Attends. Laisse-moi résumer. J'ai volé $500 à ton pote. Je l'ai arnaqué en lui promettant des vues sur YouTube. Je lui ai pété sa petite gueule de loser. Et toi, tu te pointes ici avec tes bons becs en espérant que je vais te refiler $700 pour me faire pardonner? Il est brillant ton plan, mec. Brillant. Mais tu te trompes sur un petit détail. Ça, c'est pas des bons becs. Putain d'enfoiré, qu'est-ce que t'as mis dans tes bons becs pour qu'ils puent autant? Boule puante de luxe, mec. Fabrication artisanale. Une semaine entière au régime flageolé, pain rassis, pour remplir avec amour chaque capsule de mon précieux gaz. C'est ultra toxique, mec. Et si tu raboules pas les thunes tout de suite, j'éclate ce putain de paquet par terre et vous crevez tous d'un cancer des poumons dans les 5 secondes!
Perso, moi, je trouve que ça sent bon. Ok, j'admets que t'as des couilles, mec. Tiens, prends le fric que tu veux et casse-toi, espèce de psychopathe. Finalement, t'as pu récupérer le fric, man. Ouais, j'ai récupéré l'argent. Et je viens t'apporter ta part. Ah, ça, c'est cool, ma gueule. Je déconne, bien sûr. T'auras rien. Que dalle, zéro, nada. À cause de toi, j'ai toujours pas de vue sur YouTube, enfoiré. Mais je suis pas totalement une crevure. Je t'ai apporté des bonbons. Tiens, régale-toi. Hé, hey, connard. Tu sais où tu peux te les carrer, tes bons becs? Non. Je m'appelle Jean-Kevin et je suis dans la merde. Au départ, je voulais juste faire une vidéo, putain. Et c'est parti en couille. Ils sont pas loin, je le sens. Bref, au cas où tu vois cette vidéo, abonne-toi, enfoiré. Hein? Pitch motherfucker, now open up your ghetto. Pop up massive smirking.